Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Donc là, on enlève toutes les petites plantes, etc., etc., parce que j'ai pas trop envie non plus que ce soit pollué, etc., etc. Je pense que ça prend de la ressource quand même, toutes les sprites qui sont affichées, même ces sprites-là. Donc, je vais préférer les enlever. Au moins, c'est fait. Il y a 10 bûches, simplement suffisant. On va essayer de récolter encore quelques petites bûches ici. Les petits rondins là. Et après, on va inonder. Après, on va inonder. Oh, la zone, elle produit tellement de bois ici. J'ai bien fait d'en prévoir 4. Hein. Je pourrais même en prévoir un cinquième, moi je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je me demande si... On va mettre un cinquième directement. Parce qu'alors, à mon avis, cette zone-là, elle va manger tellement de ressources. J'ai intérêt de prévoir un peu plus large en termes de champs, etc., etc. Mais bon, ici, je pourrais irriguer. Donc en vrai, ça va. Par contre, ça produit tellement de nourriture, les gens. Ça produit tellement de nourriture, ça. Les baies, c'est vraiment la base de mon alimentation pour l'instant. Bon, ici, il en reste encore un peu. Ça, on va pouvoir les fermer. Voilà, je me dis que si je leur apporte la route, au moins, ils vont pouvoir le supprimer tout ça, là. Assez rapidement. On va laisser l'escalier quand même, histoire de voir ce que ça donne. Mais allez, je pense qu'il est temps de fermer maintenant. On va voir si notre système fonctionne. C'est l'heure de vérité, ça y est. Je déclare que c'est l'heure de vérité.
On a le passage. Ici, là, on va peut-être avoir besoin d'eau, mais bon, pour l'instant, ça va. Donc, il est vraiment temps de voir ce que ça va donner. L'eau arrive gentiment, ça va commencer à déborder, je pense, très très bientôt. Ça y est, ça commence à déborder. Et du coup, cette maison, est-ce qu'elle est inondée? La maison, elle n'est pas inondée. La maison n'est pas inondée! Lol. Bon, ça m'a mangé un petit peu de zone par contre, que la maison soit pas inondée. Ça, c'est inondé. C'est pas grave en vrai, on va le reconstruire ici. Là, le pull pour la sécheresse, en plus de ça, je pourrais même pas voir si ça fonctionne mon système, sérieusement. Oh, avant que ça sèche. Hein. Avant que ça sèche. Hein. Il y a le temps. Hein. On va réorganiser ici. J'aurais bien aimé voir si mon système de débordement fonctionnait. Eh les gars, par contre, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, les gens. Il y a des mecs là, ils sont sous l'eau. Il y a des mecs là, ils sont totalement sous l'eau. J'ai détruit parce que ça. Je veux arroser là-bas, mais ça fonctionne parfaitement bien. Je suis content. Oh, ça fonctionne. Regardez-moi ça. Admirez la bête. Ça fonctionne très très bien, même. J'ai envie de vous dire que ça fonctionne très 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 bien. Ça fonctionne. Tellement bien, en vrai. Oh là là, c'est un rêve. Oh, c'est le pied, ça fonctionne super bien!
Oh, ça fonctionne super super bien. Ouh, je vais taper dans les arbres, moi, je vous le dis. Les stocks d'eau sont vachement loin. Je me dis que les stocks d'eau sont vachement vachement loin. Et que les stocks d'eau plus proches seraient pas si mal en vérité. D'ailleurs, hop là, faut que j'aille m'occuper d'ailleurs d'un endroit aussi. Oui, j'aimerais bien les rendre autonomes en nourriture. Ils sont neufs, les pauvres types.
J'aurais pu ne pas détruire. Mais c'est pas grave. Y a rien là-dedans. Tout est là-dedans de toute façon. Six, douze, dix-huit, non. 9, 18, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 habitants. Ça sera amplement suffisant. 45 habitants, ce sera amplement satisfaisant.